Là, nous voilà quittés le port de Montsoreau, on est sur la Loire. Et là, on peut découvrir le village de Montsoreau avec son château. Ah ben voilà le château. Ah, c'est bon. Alors tout à l'heure, on m'a posé des questions par rapport à ces deux têtes de poisson. Alors ce sont deux têtes de silure. Il y en a un, le plus petit, il leur manque un morceau, hein, à tous les deux. Il y en a un qui mesurait à peu près 1m20, 1m10. Et puis le plus gros, là, il mesurait 2m60. Pour vous donner une petite idée, 2m60, ça fait du plancher, là. Quasiment jusque là. À peu près. Donc, qui ont été pêchés juste un peu plus haut, là, devant Camp Saint-Martin, petit village que vous avez découvert, du plateau aussi. C'est un carnassier, qui s'attaque à tous les autres poissons. Les gros silures mangent les petits silures, d'ailleurs, d'après les pêcheurs aux silures. Et les pêcheurs aux silures, on les reconnaît quand ils sont sur le plan d'eau, ils ont de très gros bouchons, justement, parce que il y en a qui sont très gros. Donc, c'est pêché à la ligne, avec des vifs qui font des fois cette taille-là. Donc, c'est une pêcheuse. Ça peut se préparer. Nous en tout cas, quand on en prépare, on les prépare jamais quand ils font plus d'un mètre 10, 1m20. Plus ils sont gros, plus ils sont gras. Que moins ils sont bons. C'est un poisson cartilagineux. Vous avez une arête centrale. Et donc, en fait, on relève les filets. Ça fait des grosses têtes de poisson. Là, il y en a de gros, de plus petits, de tout là, juste derrière la tête. Plus on avance vers la queue du poisson, on va dire, plus les gras, donc en général, il y a une bonne partie qu'on laisse. C'est pas la partie la plus intéressante. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et je ne sais plus. Il faudrait que. Ces pêcheurs-là, je les vois pas sur le plan d'eau là, en ce moment, et je sais pas, mais. Cartilagineux. C'est assez lourd quand même. Ouais. C'est... Et alors, d'ailleurs, petite anecdote, ceux qui l'ont pêché le soir, oui. Où ils ont pêché de ce poisson, on était à naviguer sur le plan d'eau, il y avait du monde à manger à bord, et puis comme on les voit de temps en temps, canne à pêche bien, je suis tendu là, le poisson qui devait commencer à arriver juste derrière le bateau, et puis un grand remous derrière la barque, petit bateau de 5 mètres à peu près, ils étaient 3 je crois, pêcheurs, ouais. Et puis ils ont remonté la bête, un peu plus tard ils n'avaient pas fini, on va dire, de sortir le poisson de là. Donc nous on a continué notre balade, on a été les gens ont mangé à bord, tout ça, puis à la fin ils sont passés nous voir pour voir un petit coup de rouge et ils nous ont montré leurs bestiaux. Et alors 2m60 sur une barque de 5 mètres, ça fait pas mal. Alors je leur ai demandé s'ils n'avaient pas pris l'eau quand même un petit peu, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils écopent un peu dans le bateau. Et alors la semaine suivante, on les a vus arriver avec un nouveau bateau qui faisait plus long, plus grand. Là ils m'ont dit c'est bizarre, vous avez changé de bateau. Ben oui, parce que la dernière fois quand même, un peu juste quoi. Et puis on est 3 dedans, alors il n'y a pas trop de place. Donc, Ils ont mis combien de temps je sais pas exactement pour celui-ci, mais ça peut durer 45 minutes à 1 heure. Ouais. En général, le poisson, quand il arrive près de la barque, finit par être épuisé, en fait. Donc, en fait, c'est une endurance qu'il faut avoir, on va dire, pour que le poisson finisse par être épuisé. Donc, quand l'eau est chaude, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'eau, les poissons, surtout les gros, comme ça, s'épuisent plus rapidement. Ici sur la Loire, on tendait des filets en travers du courant et des piquets. Et quand il y avait ça, qui remontait en grande quantité, et bien ces saumons, pour une partie, se mettaient à longer le long du filet pour trouver une passe. Et donc le long du filet, on installait la touque cabanée avec devant le bateau latéralement un filet carré, attiré par le sein de l'autre courant. Il y avait une navigation sur le Loire. Alors on a deux autres types de bateaux.